Moi, dans le milieu scolaire en Gironde, un enfant de 7 ans a été raccompagné chez lui par la police municipale parce que sa mère n'avait pas payé la cantine. Elle doit 900 euros à la mairie depuis 2019 et ce n'est pas la seule. Malgré les relances, les factures restent impayées. Situation assez récurrente dans cette commune de Saint-Médard-de-Guizière. Écoutez le maire Mireille Comte-Joubert au téléphone de Martin Lange. Moi, j'ai une dette totale de cantine de pratiquement 17 000 euros de parents indélicats qui ne paient pas les prestations que leur propose la commune. Je n'avais pas d'autre solution devant une maman menaçante, parce que c'est ce qui s'est passé au téléphone quand je l'ai eue, et très agressive. Je n'avais pas d'autre solution aujourd'hui réglementairement que celle-ci. Je comprends que ça puisse choquer. C'est la première fois depuis que je suis élue que je fais ce genre de choses, mais je n'avais pas d'autre solution. Mireille Comte-Joubert, maire de Saint-Médard-de-Guizière, au téléphone de Martin Lange.